Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes très heureux de vous recevoir. Si vous nous regardez, vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Marius. Aujourd'hui la famille, nous sommes en train d'aller à l'hôpital. Comme vous pouvez voir l'ambiance n'est pas trop gaie. Et madame est malade, comme vous voyez. Bébé Andrea aussi est souffrant. Bon, c'est vrai, on a déjà bien soigné bébé Andrea jusqu'à ce que pour elle, elle est vers la fin. Donc, il y a juste quelques petits boutons sur ses pieds là que le docteur va regarder, mais madame est vraiment souffrante. Donc la famille, si vous aimeriez voir comment la journée va se passer, comment l'hôpital va se passer, si vous aimez nous accompagner à l'hôpital, n'hésitez pas de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo et donnez-nous vos conseils en commentaire et tout et tout et tout. Donc let's go. Andrea, en bas, où est Lucie, voilà. En bas. En bas. Merci, bon. Regarde. C'est pour ça qu'après, on fait un coup d'éducation civique, on dit que je crois, sur les pieds comme ça. Je t'ai fait normal, comme il y a, tout à fait normal.
fermez la main. Fermez la main. Qu'on condamne, que la loi condamne, se multiplie. Parce qu'on se fait justice à tout le monde. Donc, il faut effectivement que ce plan d'administration du Cameroun, d'administration du Cameroun, contre les Camerounais, tout discipline, tout ce qui est un cas d'administration, pour permettre que on soit normalement. Oui, j'ai dit, mais quand vous avez vu quelque chose, oui, ça fait pas mal. Oui, le monde a été plus, mais normalement, si on pense qu'on doit être. On doit grandir, permettez l'expression, on doit se développer. C'est ça, l'identité avec le droit de faire, avant que vous considérez, est très important, c'est que pour l'ensemble des quatre personnes, et le pouvoir de ce pour le journal, vous avez voulu justement par la tribune du ministère, le tour du monde, la DPC, la question de la question civile. Je ne peux pas dire 365 000 personnes. On n'a pas monté sur le bois. Vous m'avez compris. Andrea, viens, tu es arrivé ce matin quand il est pleu. Ça va. Précisément de 8 ans et de 7 ans et 6 mois. Cette femme a été présente. Elle a soutenu son mari pendant des moments très difficiles de sa vie. Plus que ma mère. 8 ans en 2024 et vous êtes bien au cœur. On a mis ta part, tu as pleuré. Maintenant, tu veux retirer pour maman. Ça fait pas mal. Andrea, c'est pour soigner maman. On va retirer. Tu comprends? On va retirer.
Et la famille, nous avons déjà fini. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si on a pu filmer. On a fait les examens. Je vais un peu vous faire un petit débriefing. Le souci que bébé Andrea avait encore, le docteur expliquait que c'est son organisme qui combat. Donc, vous savez qu'il y a un élément étranger, un corps étranger dans son organisme. Oui, elle est allergique, donc son organisme est en train de combattre toujours contre son organisme pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle ces boutons-là sortent. Donc, ce n'est pas une maladie, comme on peut dire, pas du tout et tout. Donc, il a juste reconduit les mêmes remèdes qu'on lui donnait. Maintenant, pour le cas de madame, on a pris le poids de madame. On a pris sa tension. On a pris aussi quoi, voilà, la température. Et le docteur a prescrit les remèdes que je vais acheter toujours en pharmacie de l'hôpital. Donc, voilà comment ça s'est passé. On espère que ces remèdes-là soulagent madame et qu'elle revienne vite à son état de 100%. Regardez vous-même son visage. Regardez vous-même comment ça a changé. Donc, la famille, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de nous donner vos points de vue en commentaire, de liker la vidéo surtout et de partager si possible pour qu'on puisse agrandir notre belle communauté. On va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien comme d'habitude. Bye bye. Ah, André a dit bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Bye bye.